Voilà, on reprend maintenant la scène du cœur. Et regardez, comme je l'ai dit, le messager a rapporté la mort d'Antigone et d'Aimon. Maintenant, le cœur va rapporter la mort de Eurydice. Regardez ce qu'il va dire. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. Regardez la manière dont le cœur a donné à Créon l'information de la mort de sa femme. Il n'a pas dit Eurydice est morte comme ça, mais il l'a remplacée par la phrase les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. À votre avis, il s'agit de quelle figure de style là encore ? Très bien, je vois que vous avez remarqué qu'il s'agit encore de l'euphémisme. Alors l'euphémisme, ça consiste à remplacer une phrase où il y a une idée violente, choquante, quelconque, et puis on la remplace par une autre beaucoup plus douce. Donc, Eurydice avait l'habitude de préparer pour les pauvres de Thèbes les tricots en hiver. Maintenant, le fait de dire « les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver », ça veut dire que la femme qui avait l'habitude de leur préparer les tricots est morte et finalement, ils n'auront pas de tricots cet hiver. On enchaîne. En apprenant la mort de son fils, et là, je vous ai d'abord écrit quelques mots du champ lexical du tragique, on ajoute là encore, pardon, on ajoute la mort, mort. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement après avoir terminé son rang, posément comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude, et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche pour s'y couper la gorge. Donc les aiguilles par lesquelles elle fait tricoter, elle fait les tricots, donc elle s'est coupée la gorge avec. Là, c'est la manière dont Eurydice s'est suicidée. Et bien sûr, on va dire ici « couper la gorge ». Voilà pour notre champ lexical du tragique. Et puis en fin de compte, vous remarquez avec moi que le cœur emploie beaucoup de figures, beaucoup de manières détournées pour décrire cette mort d'Eurydice. Alors toujours, on est dans la règle de la bienséance, comme vous le voyez. Donc c'est éviter toute forme de violence dans le théâtre tragique. Alors la suite. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue, jeune fille, un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas eu cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Revenez avec moi à la phrase où il dit « À la même place où tu l'as vu, jeune fille, un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. » Avec le même sourire, à peine beaucoup plus triste. Donc, à votre avis, il s'agit ici de quelle figure ? Très bien, il s'agit de l'antithèse, parce que nous avons deux mots opposés dans la même expression. Quels sont ces deux mots ? Nous avons « triste » et puis « voilà » et « sourire ». Donc « sourire » et « triste », ils sont séparés dans la phrase, donc c'est l'antithèse. Si les deux mots peut-être étaient attachés l'un à côté de l'autre, on aurait dit que c'est l'oxymore. Voilà, alors maintenant on regarde Créon. Elle est aussi... ou bien il dit « elle aussi », c'est-à-dire « elle qui s'ajoute aux deux autres, à Antigone et à Aimon. Ils dorment tous, c'est bien. La journée a été rude », dit Didascalie. Un temps, il dit sourdement, « cela doit être bon de dormir ». Alors l'emploi du verbe « dormir », à votre avis, qu'est-ce qu'il a remplacé ? Bien, il a remplacé le verbe « mourir ». Donc, le fait de remplacer « mourir » par « dormir », là encore, il nous fait référence à quelle figure ? C'est la figure de l'euphémisme. Très bien. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'euphémismes, toujours en faisant appel à la règle de la bienséance. Le cœur maintenant. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Regardez le cœur, comment il touche profondément les émotions de Créon afin de le secouer, parce qu'il l'a supplié avant de pardonner Antigone, avant d'éviter toutes ces terribles tragédies. Mais en fin de compte, Créon aussi n'avait pas le choix, donc il était obligé de mettre à mort Antigone, ce qui a engendré la mort des suivants. Alors Créon, tout seul, oui. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Petit, le page, monsieur. Créon, je vais te dire à toi, ils ne savent pas,
toutes les autres. On est là devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera ? Là, vous voyez que Crayon aussi nous fait référence à une idée qu'on a apprise même dans la scène du prologue. Vous vous rappelez que quand le prologue a dit pour Crayon qu'il joue au jeu difficile de conduire les hommes, qu'il fait une sale besogne, qu'il s'est réveillé un jour, roi de Thèbes, même s'il ne l'a jamais désiré, et il a retroussé les manches en voulant faire cette sale besogne. Donc c'est pour ça qu'il dit lui-même sur le travail, il est rude, c'est un sale métier, oui, mais il faut le faire quand même. Si ce n'est pas lui qui le fait, qui le fera à sa place ? Donc c'est comme si Crayon ici veut se justifier auprès de lui-même, hein. Ce n'est pas auprès de Page, parce que le Page n'est que le miroir de Crayon lui-même. Alors, la suite, le Page, bien sûr le Page ne réagit pas, je ne sais pas monsieur. Crayon, bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est de ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi ? La question. Le page, oh oui, monsieur. Crayon, tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. Didascalie, l'heure sonne au loin, il murmure. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures ? Là, il faut s'arrêter. Parce que le fait d'indiquer qu'il est 5 heures à la fin de la pièce, ça va nous rappeler l'une des règles des trois unités. Alors rappelez-vous, lorsque la nourrice, dans la première scène, a dit à Antigone qu'à 4 heures du matin, elle n'était pas dans sa chambre. Maintenant, il y a l'autre indication de temps à la fin, que quand Crayon dit à son petit page, il est 5 heures, donc qu'est-ce qu'on a à 5 heures ? De 4 heures à 5 heures, ça veut dire que toute la pièce s'est déroulée dans une seule journée. Et ça nous rappelle quelle règle auprès des règles des trois unités ? Très bien. La règle de l'unité de temps. Alors, l'unité de temps qui consiste à ce que la pièce se déroule dans une seule journée et que ça ne dépasse pas 24 heures. Voilà. Après, on enchaîne. Le page répond, conseil monsieur. Crayon, eh bien, si nous avons conseil petit, nous allons y aller. Ils sortent, Crayon s'appuyant sur son page. Donc, après on va voir ensemble la réaction de Crayon. Comment vous semble-t-elle cette réaction ? Normalement, quelqu'un qui a perdu à la fois sa nièce, son fils et sa femme la même journée, et après, il dit, ils dorment tous, c'est bien tranquille pour eux, la journée a été rude, la besogne a été si sale, si rude, et en fin de compte, il sort avec son page tout en lui demandant qu'est-ce qu'ils ont comme chose à faire. Il lui dit conseil. Alors, c'est ça ce qu'on a appelé dans cette case la mort symbolique de Crayon. Alors Crayon, il est mort, oui, mais il est mort symboliquement. En perdant tous les membres de sa famille autour de lui, il ne trouve plus une raison de vivre. Alors la seule raison qui lui reste, c'est de conduire Thèbes, c'est d'assurer l'ordre, c'est d'assurer la paix dans Thèbes. Et c'était ça son objectif, derrière le fait de ne pas enterrer Polynice dès le début et derrière le fait de mettre à mort Antigone. Alors finalement, Crayon est mort symboliquement parce qu'il est devenu absurde, il est devenu insensible, et écoutez bien, insensible par rapport à la mort des êtres les plus proches de lui. Donc, on écrit Crayon devient absurde, insensible à la mort des membres de sa famille. Alors, Antigone, Aimon et Eurydice.
Voilà. En fin de compte, le cœur s'avance. Donc le cœur, c'est lui qui va clôturer la pièce. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai. Ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. D'ailleurs, sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles. Ça nous rappelle la même phrase dite par Antigone dans la lettre, lorsqu'elle était en train de dicter au garde Jonas la lettre qu'elle devait ou qu'il devait remettre à Aimant. Alors, je vous rappelle qu'elle a elle-même, Antigone, elle avait dit dans cette lettre, sans la petite, pardon mon chéri, sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Donc ici, le cœur nous répète la même phrase d'Antigone, et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, c'est comme s'il était en train de valider ce que Antigone avait déjà dit avant. Ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant, c'est fini. Ils sont tous de même tranquilles. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Alors là, quand il dit « tous ceux qui avaient à mourir sont morts », c'est comme l'a dit le prologue au début, c'est qu'il y a une fatalité qui est derrière. C'est-à-dire, il y a une force qui pousse les gens à accomplir leur destin, qui pousse les gens à aller faire face à cette mort fatale et inévitable. Alors ça, c'est la phrase qui rappelle la fatalité. « Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose... » Et puis, ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Dans ces trois phrases, dans chacune, on fait allusion à l'un des personnages qui sont morts. Ceux qui croyaient une chose, Antigone, qui croyait qu'il fallait enterrer le cadavre de Polynice. Deuxième catégorie, ceux qui croyaient le contraire, c'est Aimant, qui croyait qu'il ne faut pas braver la loi, qu'il ne faut pas enterrer Polynice. Et bien sûr, la troisième catégorie, ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre, là, c'est Eurydice. Eurydice qui n'était ni avec ni contre, mais elle s'est trouvée mêlée dans l'histoire parce que son fils est mort et elle s'est suicidée par conséquent. Regardez ce que dit le cœur enfin. « Mort pareil !» Tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier, à confondre leurs noms. C'est fini, Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Et soulignez-moi cette phrase, le cœur n'a pas dit « où Créon va vivre la suite de sa vie », mais il a dit « où Créon va commencer à attendre la mort », chose qui montre que la vie de Créon, après la mort de tous les membres de sa famille, c'est une vie insignifiante, c'est une vie qui n'a plus aucun sens. Et c'est pour cette raison qu'on a dit ici que Créon est mort symboliquement, car ça y est, pour lui, tout est fini, tout est terminé. Oui, il a assuré la paix dans Thèbes, mais par conséquent, le prix était dur, qu'il a perdu sa nièce, son fils et sa femme.